Une question, nous pas bouquet tendez dans oreilles nous, ouais écrit à yeux nous, c'est moun qui appliqué longtemps. Moun za yo, donc yo pas connaît côté dossier, yo a passé et yo posé toute qualité question. Comment yo capable faire? Gen moun ki mande mais est-ce qu'il pas une application pour ça MPH? Est-ce qu'il pas un site pour ça? Moi même cap vérifier statut à pour compte moi. Gen moun le matante li, matante la di li pa gen tan. Li pa gen tan pou le capable vérifier ça. Li pa gen tan. Li ba numéro téléphone. Matante la pa gen tan pou le rele USCIS. Bon, ou konnen ça vraiment yo pa gen tan. Mais je dis dans vidéo ça, mon pote 4 façons ou capable vérifier statut dossier là. Bad bravo pour ça. Hein? 4 façons ou capable vérifier statut dossier I-134A ou gen. Parole humanitaire là. Dans façon ça yo, li pa seulement I-134A moun I-130 toute qualité moun et qui gen dossier avec USCIS capable utiliser 4 façons ça yo pour capable vérifier dossier yo avec USCIS. Bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous yons? Moi, espérons nous en forme. Si nous regardons la vidéo, ça, nous là toujours, nous disons papa bon Dieu qui est dans le ciel là, un gros merci parce que les fans cadeaux yon jouent en plus. Non, pas c'est MPH, moi, passé pour me capable de fournir nous information. En passant, merci pour le like, je dis à m'vin en retard, moi, pas de arrêter pour me saluer moun yo, mais moi, saluer nous tout en général. Moi, ouais, tout commentaire yo, moi, ouais, like yo, moi, apprécié. Et continuez à faire ça, abonnez, like. Et puis, à chaque fois que je monte en vidéo pour que vous connaissiez, pas oublier de cliquer sur la cloche de notification. Mettez nos notifications sur tout à chaque fois que je monte en vidéo. Ou même pour capable au courant. Donc, à nous aller droite dans la vidéo aujourd'hui parce que nous n'avons pas trop de temps devant nous. Nous avons le barreau droit, la vidéo à pas longue. Ou mettre prenez et puis chita. Ou avez le nanzin et sexy. D'accord? Donc là, apprendre ça pour apprendre. À nous aller. Premier moyen qui gagne pour capable vérifier dossier USCIS là, c'est le ou rele yo. Je vais vous montrer comment ou même si vous oubliez numéro de téléphone, moi te ba ou capable rele yo a, comment que ou capable en fait rele USCIS. All right? Donc nous pour aller sur Google, ou pour aller sur Google. Wap tape US my wap tape USCIS. Just tape my USCIS. OK, tape my USCIS sur Google. One second guys, m'vle wè ça m'a dit ya. That's why que le bon petit temps, computer un bon petit temps pour le monter. OK, très bien. Donc, wap clique ou pral sur Google. Ou pral sou Google. One second. OK, ou ap clique My USCIS. Just click fais ça My USCIS sou Google. One moment again. One second again. One moment, guys. OK, now, no OK. All right, ou pour aller sur Google, ou ap clique comme ça sur Google, ou ap clique My USCIS. Just clique comme ça. OK, My USCIS. Et puis, ou mettre vous l'aller. Lorsque vous l'aller, la menon sur page ça. Lorsque sur page ça, ou ap clique sur première option qui c'est Home. Cliquez là et l'apmené ou là qui c'est page normal là. OK, ou sous My USCIS la page normal là. Cliquez sur le côté logo ayen, côté marqué US Citizenship and Immigration Services. Cliquez là. Là on fin cliquez là, l'apmené ou sous page ça qui chargé avec information. Et m'kwe, une information qui plus intéressée c'est première information qui là côté qui marqué Processes for Cubans, Asian, Nicaraguan and Venezuelans. Donc, vous cliquez, OK, là,
sous descend pi bas l'en vin là ou après que côté que ou capable vérifier statut en ligne ça veut dire que côté en ligne et de manage your case manage case ou pour compte OK donc n'a pral en l'air nous pral là là n'a cliquer sur tools ça veut dire outils cliquer sur tools là fin cliquer sur tools là non pral cliquer sur tools online là côté mieux là est-ce qu'on côté mieux si vous sur computer sur téléphone suivre même des machio peut-être nous devons faire même vidéo sur téléphone pour OK donc cliquez là côté de USCIS tools and resources OK ressources outils et ressources ou cliquez sur outils et ressources là fin cliquer on va lentement sur outils et ressources ou elle ba plusieurs bagages ou ka faire en ligne ou ka login ou ka créer un USCIS account sous besoin aide ou ka parler avec Emma c'est mademoiselle ça en l'air la créer Emma son petit robot OK ou ka poser question en ligne etc. et fi calculateur pour calculer donc frais ou payer file online on bon bagaille mais ça nous besoin jodi a là c'est case status online c'est ça case status online c'est statut ka ou là en ligne sans pas déplacer cliquez sur ça connait là pas droit regarder non sur computer et puis enfin ça bon ou cliquez sur ça là ou venant casier ça là qui ça va mettre numéro reçu ça que le WhatsApp number ça veut dire l'autre fait application même jour fait application yo bon WhatsApp number pas gon monde qui fait application pas gon WhatsApp number dans mer de pour faire application te fait ou gon WhatsApp number c'est comme ça pour faire suivi yo WhatsApp number il gagne la donne 3 lettres et puis il gagne la donne 10 chiffres qui suivent 3 lettres yo tout monde qui te fait ça gagne ou ap mette toilette yon en majuscule avec 10 chiffres yon là dans casier ça tant que ou t'ap marqué A et majuscule A B C OK donc là mette 10 chiffres yon là et puis m'ap cliquer sur check status automatiquement on clique sur check status et bien la menon côté pour al checker statut dossier là et ceci tranquillement ça c'est moyen ou capable vérifier statut dossier en ligne deuxièmement USCIS tout gain application guys yo gagné application ou capable checker dans application application en anglais relé case tracker USCIS l'homme que case tracker USCIS là la bonne application application li la pour moun ki genye Android li la pour moun tout ki genye produit Apple yo tankou iPhone et iPad si ou gen Android ou ap ale nan Google Play Store ou ap tape case tracker USCIS la menon la on clique sou sa c'est la la menon elle pral bon figure kon sa ou ap installer application ça sur téléphone. Tu vois? Donc c'est même bagaille là ouais my case ou même bagaille ou sur fait sur website là, c'est même bagaille là ou pral faire encore là. Donc ah ouais exemple yo 3 lettres et puis 10 chiffres ou pral rentrer ouais ou fini rentrer 3 lettres yo, 10 chiffres là et puis 7, tu vois? Ou fini rentrer 3 lettres là, 10 chiffres là et puis 7. Tout dossier ou gagne. Là c'est pas seulement yon dossier non, l'app track pour, l'app track tout dossier ou yo. OK? Ou ka bwè la, yo bon exemple, yo expedited request denied. OK? Case was transferred and a new office as okay, as jurisdiction. OK, well by started. Case was transferred. OK? Card was delivered to me by the post office. Ça veut dire que là, même si tu gagne 20,000 dossiers dans seule application ça, ou tu gagne 20,000 dossiers en dans USCIS et bien là dans application ça ou capable vérifier statut tout dossier yo en même temps est-ce que y a monde jusqu'à maintenant qui comprend moi qui avec là on nous avancer parce que me te dit une vidéo li
pas long. Ça c'est déjà deux moyens ou capable vérifier statut dossier là pour compte. Troisième moyen ou capable vérifier statut dossier là pour compte, n'a retourné dans USCIS encore. Là on a home page USCIS là, ou gagne un procès ou gagne process qui pour cubain, haïtien, nicaraguayen et vénézuélien, ou ap cliquer sur li. Là ou fin cliquer sur li, ou ap descendre en bas. Descendre en bas c'est toujours descendre. Ou ap descendre en bas. Ou ap vin nan parti ça qui dit contacting USCIS about form 1A34A. OK, I-134A. Donc, I-134A. Et puis là, li dou, OK, ou option, non tout ou option, contacter USCIS about the form. Ou contacter USCIS, ou cliquer sur li, ça la pral ba ou. Li pral ba ou, ti lien ça premièrement, ou ap cliquer sur ça, koto ou capable contacter yo. Et puis, là, c'est troisième moyen. Quatrième moyen, ou capable rele yo nan numéro téléphone sa yo et toujours bay nan vidéo m'a fait là ou même ki te gen application te bay fait rele ma tantou rele tonton et puis di yo pou yo bon numéro ke cela pendant que yo même yo nan travail et bien ou même ou capable vérifier ke cela pou yo pendant que yo nan travail. Ça c'est quatre moyens ou capable de faire ça, mais l'autre deux premiers mois est plus encore normal, parce que ça ou pas besoin d'en parler avec aucun monde, ni à l'en téléphone pour abrile, donc ou après statut à pou kontou, en dans système USCIS là, guys. Donc, pour jeudi, c'est exactement ça que vous avez pour nous, je n'ai pas de vidéo, ça trop long, et je vais camper là tout. Pour jeudi, partagez avec toutes les amis pour vous même, vous avez connaît comment vous avez checké statut dossier dans USCIS. Non pas c'est MPH, BMAC like, commenter. Et si vous venez là ou pas abonné, moi c'est son erreur. Moi penser son erreur. Et moi croire son erreur si vous venez là et vous pas abonné. Ou doit abonner pour qu'il toujours été informé à chaque fois MPH a mette une nouvelle vidéo dehors. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour une autre vidéo pareil. Bye bye tout le monde. Cliquez sur le bouton profil là côté marqué MPH 01. Là fin bou cliquez sur lui côté qui en noir là marqué souscrire mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais tape subscribe. Cliquez sur lui sous elle en noir c'est que vous pouvez abonner. Là ou abonner mais on peut fini faut qu'on mette l'option petit cloche là sous toute à chaque fois mon ton vidéo pour qu'on connaît. Vous cliquez sur flèche là option toute là en première position. Cliquez sur option toute là. Good. On est à tourner, partager vidéo à sur Facebook dans tout groupe ou hier. On va le marquer groupe. Tout groupe ou y a monté, la gueule dans groupe yo yon après l'autre. Good. On fait back. On y a au fini, quittez commentaire là, quittez question là, ou car la gueule dans 20 groupes dans 30 groupes. OK? On continue avec vidéo.